Je voulais profiter du thème de cette journée sur la bientraitance et l'inclusion scolaire, ces deux mots-clés de la journée, si j'ai bien compris, j'étais pas là ce matin, mais ça devait être ça, pour vous présenter en fait un travail qu'on a mené à Marseille et à Paris aussi, avec une collègue qui est Marie-Pierre Pidal, qui est psychologue ici à Paris et qui a fait son doctorat de sciences de l'éducation sur ce sujet-là, sur en fait la mise au point d'un outil d'évaluation du bien-être scolaire. Et à l'occasion de ce travail, je vous montrerai le détail de cet outil. En fait, il s'agit d'un travail expérimental mené dans une école privée sous contrat à Marseille, qui a accepté d'accueillir notre projet, qui était un projet assez à contre-courant, on va dire, de ce qui se dit actuellement sur l'inclusion, et vous allez voir. Donc peut-être un aspect un peu provocant qui pourrait en choquer certains, mais je suis prêt à discuter de ça. Alors, l'idée donc de l'inclusion sociale à l'école inclusive, c'est des choses qui ont été dites aujourd'hui, je ne vais pas m'y étendre. La définition de l'inclusion sociale, processus par lequel des efforts sont faits afin de s'assurer que tous, peu importe leurs expériences, peuvent réaliser leur potentiel dans sa vie. L'inclusion scolaire, puis maintenant l'école inclusive, qui est une inversion qui s'impose actuellement, est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques permettant à chaque élève de se sentir confiant, sécurisé par l'équipe éducative. Et vous savez que tout ça repose de façon légale sur des textes de loi, la loi de février 2005 sur les principes de compensation et d'accessibilité, et renforcée par la loi de 2013 de refondation de l'école, qui, pour la première fois, écrit: le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction. Juste un retour en arrière pour rappeler que le point de départ de tout ça, c'est la fameuse déclaration de Salamanque de l'UNESCO en 1994 qui stipule que les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. Les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice, je l'ai mis en gras pour signifier le fait que ce ne soit pas forcément toutes les écoles ordinaires qui ont cette orientation intégratrice, constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires en créant des communautés accueillantes, édifiant une société intégratrice et atteignant l'objectif de l'éducation pour tous. Elles assurent efficacement l'éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier. On voit derrière cette philosophie une ambition qui est beaucoup plus vaste que l'éducation et l'enseignement lui-même, puisqu'il s'agit de transmettre aux membres de la future société des notions, des valeurs qui sont celles qui sont enseignées là et qui sont proposées par ces mots. Alors, vous connaissez certainement cette représentation, la séparation, l'exclusion, l'intégration et l'inclusion. Ce qui est dessiné parle de soi-même, ce n'est pas la peine de le commenter, si ce n'est pour souligner le fait qu'il y a probablement une progression entre ces quatre termes depuis la séparation, passant par l'exclusion et l'intégration jusqu'à l'inclusion. Ce que je vais essayer de prétendre, moi, de mon côté, c'est que ce schéma n'est pas terminé et qu'on devrait pouvoir aller plus loin que ce dernier chapitre pour aller vers une inclusion plus. Et on va voir ce qu'on peut entendre par là. L'idée, c'est, à travers mon expérience de 20 ans de consultation d'enfants 10 et d'observation de ces enfants et de leurs familles, de se poser la question: et si la logique de l'école inclusive n'était pas applicable aux troubles 10? Alors, pour ça, je ferai juste référence à un cerveau et je vous abreuverai plus de neurologie après, je vous en promets, pour rappeler que ce qui se passe au niveau du cerveau d'un enfant 10 et d'un enfant qui apprend,
en général, c'est quelque chose qui peut se résumer en quatre niveaux. Un niveau génétique, un niveau neuronal, un niveau cognitif et un niveau clinique. Si vous voulez, l'effet des gènes sur le cerveau se manifeste par des altérations des processus cognitifs qui eux-mêmes se manifestent par des modifications qu'on va mesurer sur des tests cliniques, donc des résultats qu'on va éventuellement chiffrer. Mais ce qui est important ici, c'est que cette cascade, depuis les gènes jusqu'à l'observation des tests, est sous l'influence à chacun des niveaux de l'environnement. Et l'environnement, c'est non seulement ce qui se passe pour l'enfant dans sa vie, mais c'est aussi l'effet d'une rééducation, d'un aménagement pédagogique, ou simplement la compensation par les ressources propres de l'individu. Tout ça pour vous dire que l'aspect biologique qui est central aux troubles qu'on observe est sous l'influence sans cesse de l'environnement. Et on va voir l'importance que ça peut avoir. Alors, la base du questionnement que je me pose ici découle de ce schéma qui représente la fameuse spirale de l'échec scolaire, un mécanisme très fréquent, vous le savez, parmi les troubles 10, qui est au point qu'il est considéré comme central à toute action sur un enfant 10. L'idée est que tout déficit des apprentissages, que ce soit de la lecture, de l'écriture, va... et surtout lorsqu'ils sont, comme c'est fréquemment le cas, associés entre eux, va être générateur d'échecs. Et cet échec va être vécu de façon systématiquement péjorative par l'enfant, sous la forme d'une baisse, d'une altération de l'estime de soi, qui est en quelque sorte un phénomène tellement universel qu'il doit être considéré comme la signature même du trouble 10. La baisse de l'estime de soi va elle-même avoir des conséquences d'ordre essentiellement psychologique, inhibition, anxiété de performance, désinvestissement pour certains ou pour d'autres, troubles du comportement, instabilité, agressivité. Mais dans tous les cas, ces conséquences vont retentir en retour sur l'apprentissage lui-même, aggraver le trouble et donc aggraver l'échec. C'est ça qu'on appelle la spirale de l'échec, et c'est en ça que lutter contre la baisse de l'estime de soi est un élément central de toute prise en charge des enfants 10, vous le savez bien, vous le savez tous. Alors, quelle que soit la cause de cette baisse de l'estime de soi, elle se doit d'être prise en charge et questionnée de façon spécifique. Alors, un autre point important concernant l'estime de soi chez les 10, c'est qu'elle a été retrouvée, comme nous l'avons montré ici sur une étude chez les enfants 10 et à haut potentiel, elle est comme inversement proportionnelle à l'intelligence. C'est-à-dire que les enfants les plus intelligents sont ceux qui souffrent le plus d'altération de l'estime de soi. Il y a une corrélation entre les deux. Ici, c'était mesuré par un questionnaire de Coppersmith, où on voit ici vraiment la linéarité de la corrélation entre l'intelligence et l'intensité de l'estime de soi. Tout ça, probablement, par le fait que, qu'il me permet de souligner le fait que des enfants qui souffrent de troubles 10 sont caractérisés par leur intelligence normale. C'est dans la définition même. Et cette intelligence, justement, leur permet d'avoir une vision très claire de la situation et de souffrir probablement plus que d'autres qui seraient moins intelligents du trouble. Ainsi, une école inclusive qui aboutirait à affaiblir l'estime de soi de certains élèves obtiendrait un résultat opposé à celui escompté. Loin de permettre à chaque élève de se sentir confiant, sécurisé par l'équipe éducative, comme c'était écrit au-dessus, elle contribue chaque jour à le confronter à sa différence par comparaison aux normaux apprenants et l'écart qui se creuse avec le niveau du reste de la classe, le renforcer dans un sentiment d'impuissance acquise par l'effort croissant requis et la non-récompense de cet effort, hein, et au final, résignation, démotivation et fatigue mentale, accentuée par la fatigue physique liée au rythme de vie imposé par les rééducations, aboutissent à priver l'élève de l'égalité d'accès au savoir auquel il est censé pouvoir prétendre. Ici, je vous cite un travail américain qui a exploré à l'aide d'un test de questionnaire d'estime de soi des enfants dyslexiques en comparant 23 enfants scolarisés dans des classes traditionnelles, 28 scolarisés dans des classes spéciales et 29 enfants non dyslexiques.
Les résultats, un, et ça fait référence à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, 50% des enfants dyslexiques ont été victimes de moqueries et parfois de brutalité de la part de leurs camarades. Bon, c'est peut-être un pourcentage un peu moins important que ce qu'on a entendu, mais c'est déjà important. Et au niveau de l'estime de soi, il n'y a pas de différence entre les enfants dyslexiques scolarisés dans des classes spéciales et les enfants sans dyslexie. À l'inverse, les enfants dyslexiques scolarisés dans des classes traditionnelles ont une estime de soi significativement inférieure à celle des enfants dyslexiques scolarisés dans des classes spéciales. Alors, dans divers pays, on a retrouvé un peu la même chose, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a comparé l'estime de soi d'enfants scolarisés dans des classes spéciales, l'estime de soi était plus haute que des enfants scolarisés dans des classes ordinaires. La question, donc, dès lors, qu'on a voulu se poser, c'est celle de démontrer l'amélioration du bien-être scolaire lié à une adaptation du concept d'inclusion à la réalité des enfants 10. Alors, c'est ce qu'on a appelé le projet dispositif, qui est donc dans une école du centre-ville de Marseille. 8 à 12 élèves sont admis dans une classe qui est à l'intérieur de l'établissement et qui n'est pas notifiée par la MDPH, donc qui va recevoir des enfants en situation officielle de handicap ou non, okay, et pour lesquels notre CESAD a pu être mobilisé en intervenant à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire, vous voyez que normalement, un CESAD ne peut intervenir que pour des enfants notifiés par le MDPH comme relevant du champ du handicap. Ici, on a pu faire profiter à des enfants ne relevant pas du champ du handicap, peut-être pas forcément moins sévèrement atteints que ceux qui relèvent du champ du handicap, il faut le souligner. Il y a pas mal de familles qui ne veulent pas que l'enfant passe par la MDPH, malgré la sévérité de la problématique, hein. Donc, le passage par la MDPH n'était pas une condition pour entrer dans cette classe. On a mis l'accent sur le lien santé-école, par la présence donc des professionnels du CESAD sur le lieu de scolarisation, par le fait d'une équipe éducative déjà motivée dans son ensemble, puisque l'ensemble de l'établissement était volontaire pour entrer dans cette étude, avec des échanges réguliers avec l'équipe soignante et l'équipe pédagogique, une facilitation qui s'ensuit de l'articulation scolarité-rééducation, dont un gain de temps et d'énergie pour les familles, et une facilitation de l'accès des enseignants à une ressource médicale ou médico-sociale. Et vous savez à quel point, s'il y a des enseignants ici, vous savez à quel point les enseignants sont demandeurs d'une aide et d'un appui des équipes médico-sociales. Des moyens thérapeutiques novateurs, ça j'insisterai pas, simplement parce qu'on avait l'occasion, on a fait profiter ces enfants de tout le panel de nos moyens sur les troubles de l'attention, la concentration, des fonctions exécutives, etc. Et également une thérapie qu'on utilise beaucoup à Marseille, ce qui s'appelle Mélodis, qui utilise la musique et la danse comme outil de rééducation de façon intensive chez les enfants. Donc il y avait 2 heures de musique et 1 heure de danse toutes les semaines pendant toute cette année. Donc une réflexion pédagogique nouvelle, axée sur les particularités de la problématique, proposer aux élèves un climat de travail scolaire coopératif, réflexion sur l'espace physique de la classe, avec des cloisonnements amovibles, un mobilier spécifique déplaçable. On a eu une aide conséquente du conseil départemental pour meubler la classe. Inclusion inversée, ici c'était l'idée que ce n'est plus seulement l'élève qui est inclus dans la classe de niveau, il l'est, hein, il y a une partie du temps qui est passée dans une classe de niveau, mais les autres élèves qui sont invités dans la classe expérimentale, et on en est même arrivé à des témoignages d'élèves qui dans la cour disaient « Oh toi tu as de la chance, tu es dans la classe 10, nous on aimerait bien y être ». C'est pour vous dire que c'est possible, il peut y avoir ce type de réflexion. Alors, donc, le projet dispositif, 2 fondements, la rééducation au plus près du lieu de scolarisation et le bien-être scolaire comme objectif thérapeutique. La rééducation, c'est économie de temps et d'énergie pour les déplacements, ressources disponibles pour le corps enseignant, facilite l'inclusion au sens d'égalité d'accès au contenu. Et le bien-être scolaire, c'est quelque chose qui était sur lequel on a centré notre travail d'évaluation grâce à un outil spécifique qui a été construit par Marie-Pierre Bidal, qui s'appelle le MVS, que je vous présente très rapidement ici.
Le MVS, c'est une échelle de mesure du vécu scolaire, qui c'est un outil qui est créé et expérimenté sur un millier d'enfants dans divers milieux scolaires. Un protocole qui contient 36 items avec une réglette de mesure qui est étalonnée de 0 à 10 et un accompagnement individualisé, oralisé et explicité de chaque enfant quand on lui fait passer le questionnaire. Alors, le questionnaire lui-même est fait de plusieurs domaines qui contiennent chacune un certain nombre de questions. Vous avez ici les numéros des questions et ici l'intitulé des domaines. Alors très rapidement, le contexte d'apprentissage, le contexte conatif, c'est-à-dire tout ce qui est mobilisation, motivation, les signes de perturbation comportementale et le contexte intersubjectif relationnel. Donc l'enfant répond à ces questions sur une échelle de 0 à 10 et on a, pour pouvoir mieux les dépouiller, des couleurs différentes pour chaque type de domaine exploré. Alors évidemment, on le faisait passer deux fois. La première fois, on le met à l'imparfait, parce qu'on lui demande de répondre pour ce qu'il expérimentait l'année précédente avant d'entrer dans la classe. Et la deuxième fois, au présent, en lui demandant maintenant que tu es dans la classe, comment tu ressens chacun de ces domaines-là. Et les résultats ont été très spectaculaires, puisque ici, vous avez en rouge, vers le côté gauche, toutes les questions sur lesquelles il y a eu une amélioration significative entre le mois de septembre et le mois de juin. Et en vert, les mêmes résultats, mais pour trois classes de CM1 et de CM2 de la même école qui recevaient des enfants non dyslexiques. Et évidemment, on voit que la différence est majeure et très, très significative. La classe ordinaire... Alors il y avait un autre questionnement qui a été porté ici. On a demandé à chaque élève également de... répondre au questionnaire en se plaçant soit dans la classe 10, soit dans sa classe d'intégration, d'inclusion. Et par exemple, une question comme « Tu aimais quand le travail était difficile pour essayer de le dépasser ou il t'arrivait de te sentir nul ou incapable ?» À chaque fois, la question était posée pour les deux situations. Dans la classe ordinaire ou dans la classe 10. Et là aussi, il n'y a pas photo, je dirais. La différence est très nette. Chaque enfant de la classe 10 disait de façon très significative être beaucoup plus positivement, un ressenti beaucoup plus positif dans la classe 10 que dans la classe d'inclusion. En conclusion, donc, la question qu'on peut se poser, c'est l'école inclusive est-elle nécessairement synonyme de bien-traitance ? Contrairement à la plupart des autres causes de handicap, il faut rappeler que le trouble 10 a des spécificités. Et sa spécificité principale, c'est qu'il est lié à l'école. C'est finalement le seul handicap qui soit directement manifesté à l'école et par l'école. Aucun autre handicap ne porte aussi spécifiquement sur l'apprentissage lui-même. La confrontation au regard de l'autre et la conscience souvent aiguë, comme je le disais, de la différence... provoque invariablement une altération de l'auto-estime et ses conséquences dévastatrices selon la fameuse spirale de l'échec, débutant très tôt dans la scolarité. Dès le CP, les enfants commencent à manifester ce début de spirale de l'échec. Dès lors, à vouloir à toute force appliquer le dogme de l'école inclusive à tous les élèves, on risque d'en pénaliser une grande partie. Pour l'enfant 10, la vraie inclusion et celle où l'école n'est plus un frein à la restauration des fonctions cognitives. Permettre aux soignants d'intervenir dans le lieu et le temps scolaire, c'est une économie de fatigue pour les enfants et les parents. Protéger prioritairement l'enfant 10 de la confrontation à l'échec et de la comparaison aux normaux apprenants, source de démotivation et de perte d'auto-estime, d'où aggravation de l'échec, encore une fois. Co-construire un projet rééducatif et pédagogique qui implique l'ensemble des enseignants et des élèves de l'établissement, ça c'est très important. Si l'ensemble de l'établissement n'est pas volontaire de façon collective, ça ne peut pas marcher aussi bien. En revenant régulièrement sur les notions de diversité, de différence cognitive, de bienveillance, tant pour les enseignants que pour les autres élèves de l'établissement. Donc, ce que je dirais, c'est que faire évoluer le concept d'école inclusive depuis une injonction dogmatique vers une bien-traitance pragmatique pourrait être un avenir de la notion d'inclusion.
et que ces quatre étapes que je vous citais tout à l'heure, séparation, exclusion, intégration, inclusion, pourraient se prolonger vers une cinquième étape qui serait l'inclusion raisonnée. Voilà, je vous remercie.